Nous n'avons pas trouvé cet ovni au Nouveau-Mexique. Il est en France. Il est à Marne-la-Vallée, sur le site Euro Disney Research. Et nous sommes à deux pas de l'hôtel Santa Fe, non pas la ville Santa Fe au Nouveau-Mexique. En revanche, au Nouveau-Mexique, le vrai, aux USA, que ce confortable hôtel nous rappelle, il y a eu plus d'une dizaine de crashs d'ovnis, avec récupération par l'armée, de nombreux corps d'extraterrestres de petite taille. Et nous avons tenu à rendre hommage à l'éclectisme, à l'honnêteté intellectuelle des concepteurs de ce parc Euro Disney Research, qui n'ont pas hésité, par souci de réalisme, à nous montrer cette chose-là étonnante, ce vaisseau qui s'est écrasé sur une terre étrangère, la nôtre, celle des Terriens, et où des êtres sont morts, des êtres qui n'étaient pas des shirt gris, des petits gris, puisqu'ils avaient peur des soldats qui ont encerclé le site et qui ont emporté avec eux les témoins. Donc, c'était certainement des extraterrestres de petite taille, mais amicaux. Très souvent, les visites d'extraterrestres sont purement et simplement niées par la science officielle. Sous prétexte que cela contredit certaines lois ou pseudo-lois. Mais il se trouve que nous allons nous rendre en Belgique pour y rencontrer un physicien nucléaire, Jacques Steyr, qui, tout scientifique qu'il est, sans admettre nécessairement la visite quotidienne de gens venus d'ailleurs, va, grâce à une photo, nous démontrer que cette photo d'OVNI, de soucoupe volante, est étrange, mais n'est pas contredite du tout par justement les lois de la science et de la physique. Vous avez observé certaines choses dans votre domaine qui vous ont incité à penser qu'on pouvait, dans certaines circonstances, expliquer certains documents concernant les ovnis qui coïncident avec les faisceaux particuliers. Comment avez-vous constaté ça? Donc avec l'ancien cyclotron dont vous avez vu la structure métallique qui pèse 60 tonnes, nous avons observé en 59, quand le faisceau sortait de cette machine, un jet de lumière d'à peu près une soixantaine de centimètres de longueur, légèrement bleuâtre, donc ce parcours-là dans l'atmosphère, et qui est assez intriguant parce que c'est un faisceau de lumière qui est coupé avec un bout légèrement arrondi. Alors, ici avec le nouveau cyclotron, quand on a fait sortir les faisceaux d'ions lourds, c'est-à-dire des faisceaux oxygène, entre autres, qui sortaient dans l'air, on avait un jet d'à peu près une vingtaine de centimètres et dont les deux extrémités étaient arrondies. Pourquoi ? Parce que vous avez un faisceau d'ions qui sort du cyclotron, qui subissent des chocs dans l'air et qui s'arrêtent. Mais comme c'est un faisceau chargé, vous avez donc une différence de potentiel qui fait que les électrons, eux, circulent tout autour et donnent cette espèce de gaine de plasma, ce qui fait qu'on a un jet lumineux avec les deux bouts arrondis. Ces faisceaux, moi j'ai pas eu la chance, j'étais en Belgique au moment de la grande vague de 1990, mais j'étais à Flémalle-la-Grande, au sud de Bruxelles, au sud de Liège, et nous attendions avec Stanley Box, qui a eu la chance, qui est un habitant de Liège, de Flémalle même. On attendait un gros engin triangulaire, comme le Messie, et nous avons vu un petit engin, mais tellement rapide, non triangulaire, mais qui correspond un peu à ce que vous disiez, Jacques Steyr, tout à l'heure, cette sorte de cylindre aux bouts arrondis qui développait une vitesse faramineuse. Et nous n'avons même pas pu actionner nos caméras. Voilà.
Alors, en ce qui concerne toutes ces observations curieuses de personnes qui voient des jets de lumière qui s'allongent et puis qui se raccourcissent, ça peut s'expliquer facilement par l'énergie d'une particule qui varie. Si vous prenez un cyclotron à énergie variable et que vous tournez un bouton et que vous changez l'énergie, eh bien, quand l'énergie augmente, le parcours de ce rayon augmente. Quand vous diminuez l'énergie, le parcours diminue. Et donc, avec un cyclotron à énergie variable, on pourrait reproduire ces jets de lumière qui sont coupés à l'extrémité. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la lumière n'est qu'un effet secondaire d'un phénomène d'ionisation dû à un jet de particules premier. Il me semble avoir lu, il y a fort longtemps, 20-30 ans, sous la signature d'un hyper-rationaliste, que ce n'était pas possible que la lumière se propageait comme ça et puis qu'elle ne pouvait pas être cohérente. Alors aujourd'hui nous saurions, parce que ce que vous venez d'expliquer démontre à l'évidence que si, même si ce n'est pas de la lumière, mais cet effet de d'ionisation, pour nos yeux, paraît simplement être de la lumière. C'est ça qui est étonnant. Alors c'est intéressant parce que des recherches qui n'ont rien à voir avec les domaines de l'ufologie, les problèmes touchant au cyclotron et les effets visibles nous amènent à penser, et je crois que c'est convaincant, que nous pouvons qualifier ces phénomènes lumineux de projections issues, peut-être pas d'un cyclotron, mais de quelque chose qui produirait des effets analogues. Parce que nous pouvons avoir des réactions nucléaires d'un type particulier qui produisent directement ces particules, mais le problème c'est d'avoir en quantité suffisante. Et donc il faut puiser l'énergie quelque part. Il faut extraire l'énergie, certains disent de matière, antimatière, mais je crois que la solution réside simplement dans l'azote de l'air que nous respirons. Nous n'utilisons que l'oxygène, mais l'azote qui est en l'air peut donner des réactions nucléaires assez intéressantes, moyennant les bons catalyseurs. Et on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie qu'il y a dans l'atmosphère. Si je prends un simple litre d'air et que je le fusionne en silicium, eh bien, on a une centaine de gigawatts. Ça fait à peu près une puissance égale à une centaine de centrales nucléaires, simplement dans un litre d'air. Le tout, c'est d'avoir le bon catalyseur. Les extraterrestres nous visitent fréquemment, mais ce n'est pas toujours pour voir les grands de ce monde. Je pense évidemment à Eisenhower, qui les a rencontrés sur une base américaine, et c'est l'objet de l'illustration de notre vidéocassette. Ils sont également les visiteurs de personnes de tous les jours. Je pense à notre ami André Malby, qui est un naturopathe, et qui lui va nous parler de certaines rencontres. Alors André, tu as vécu une aventure assez extraordinaire en Espagne en 1976, un contact. Parle-nous-en. Oui. Ça se passait à Ojén, qui est un petit village situé à 9 km au-dessus de Marbella, juste au-dessus d'une mine de pyrite exploitée jusque dans les années 30. La chose étonnante, c'est que, en dehors de tout ce que nous allons pouvoir raconter, il y a eu, pendant que j'étais là-bas, une apparition, je ne sais pas comment l'appeler, enfin un soir à 8h10, il y a eu un ovni qui est resté pendant 10 minutes au-dessus du village et qui ensuite a disparu en même temps que le soleil se couchait. Quand l'ovni est parti à une vitesse extrêmement grande, il est resté sur place un nuage orange lumineux qui a continué à être lumineux même après que le jour soit tombé, donc lumineux orange sur le fond de la nuit. Et il a peut-être duré presque une demi-heure pour fondre, pour se diluer, grosso modo. Moi, j'étais là et j'étais sur la place du village et j'étais parlé avec les gens. Concrètement, j'étais parlé avec des gens qui étaient à un bar qui s'appelait le bar de las Viudas. Et j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont dit, non se preocupez, ne vous préoccupez pas, es normal, es buena gente, c'est normal, ce sont des bonnes gens. Antes se veía muchísimo más, avant on en voyait beaucoup plus, et antes de la guerra venían siempre, avant de la guerre, donc 1936, il en venait beaucoup plus. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien, c'est des touristes, mais ils ne boivent pas.
Je ne sais pas si tu te rends compte de l'implication. Il s'agit là d'hommes, il y en a quelques-uns qui vivent encore maintenant, qui avaient 75, 76, 78, 80 ans. Et pour lesquels cette apparition, cette présence extérieure et n'était pas plus extraordinaire que le fait qu'il y ait des voitures immatriculées en Allemagne. Il faut bien se rendre compte. La visite dont nous sommes en train de parler a eu lieu alors que je venais d'installer mon laboratoire dans ce petit village, au Rennes. Et bon, ben, tous les jours, je travaillais au labo, et quand arrivait 8, 9, 10 heures du soir, ben, j'arrêtais, je refoutais mes notes en ordre, et je repartais vers ma maison. Et puis un soir, ben, je remets mes notes en ordre, etc., et je finis de plier mes trucs, et je vais pour rentrer à la maison, mais quand je sors de la baraque, le village est éteint, il n'y a personne dans les rues, tout le monde dort, c'est très étrange. Enfin bon, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial. Je vais, je reviens à la maison, j'arrive à la maison, ma femme dort, donc il n'y a pas de bouffe, tout est éteint. Je rentre dans la chambre, et là vraiment c'est trop, alors je la réveille, je demande, et il se trouve que moi j'étais sorti, pour moi, de mon laboratoire à 10h du soir, mais quand je suis arrivé à la maison, il était 5h du matin. Entre le laboratoire et la maison, il y a 100 mètres. Ça commence à me préoccuper, je me suis dit, j'ai trop travaillé, je me suis évanoui, enfin bon, le genre d'explication qu'on a d'habitude. Là-dessus passe un mois et demi, on arrive donc au début du mois de novembre, et un soir, de nouveau, quand je pense avoir fini de ranger mes papiers, au moment où je pars, tout est éteint. Je dis là, maintenant c'est trop. Et ça commence à m'énerver. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose. Alors je prépare un truc avec des trucs tout cons, je suis pêcheur, je fous des fils de pêche, tu vois, tendus, des fils de 8 dixièmes, donc les 8 centièmes, ce qu'on emploie pour pêcher les toutes petites ablettes, je tombe dans l'escalier, enfin bon. Et j'attends. Et effectivement, une semaine plus tard, j'ai le même truc, mais avant de partir de mon labo, je regarde, et tous les fils, entre la porte d'entrée et le laboratoire, il y avait 2 étages, étaient cassés. Et en plus de ça, il y avait 3 boîtes dans lesquelles je gardais des plantes très concrètes qui avaient été vidées à moitié. Et à partir de l'expérience de ce qui se passe ce jour-là, je commence à être un petit peu alerté. En même temps, je change à l'époque d'endroit où je travaille. C'est-à-dire que j'ai un laboratoire qui se trouve juste en face de la quartel de la caserne de la Guardia Civil d'Ochen, qui me connaissent fort bien parce que mes distillations ont explosé plusieurs fois, il y a eu des trucs scandaleux, et je récupère un énorme baraque qu'on appelle la Casa de las Plantas, la maison des plantes, à Ochen. Et là recommencent les histoires, c'est-à-dire que tout d'un coup je perds 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça devient vraiment chiant au bout du compte. Et il y a un beau jour où tout d'un coup, je pose des questions aux gens qui sont autour, les gens qui vivent dans la même calle et dans la même rue. Et il y a une des grands-mères qui me dit, ah ouais, mais vous avez vu los motoristas, les motards qui sont venus vous voir, je dis non. Et là, on commence à me décrire, parce que moi, je ne me suis souvenu que très longtemps après. Les premières données que j'ai eues, ça a été, à l'époque, les gens qui vivaient à côté, qui m'ont raconté comment un couple habillé de noir, donc pour eux des motards, était rentré dans ma consultation à 10h du soir, était resté là pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et était reparti, mais tout à fait normalement. Alors, c'est un couple, lui est brun, elle est blonde, ils sont grands, jeunes, rien de plus. Et cette description se répète 3 fois, bien plus tard. Parce que vraiment, c'est arrivé à un point dramatique pour moi, ça me faisait vraiment chier. À la suite de tout un tas d'efforts, je suis arrivé à retrouver une image. Moi, je ne me rappelle pratiquement de rien. Les seules choses que je sais, on m'a pris des plantes qui servent à régler des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme et des problèmes d'adaptation pharmacologique. On m'a pris des échantillons de matériaux que j'avais fabriqués au laboratoire. Et le seul truc certain, je me rappelle très concrètement 2 images, une d'une des rencontres et l'autre de l'autre, où j'ai ce couple devant, et je n'arrive pas à leur regarder les visages, je ne peux pas lever la tête, je ne peux pas les regarder en face. Par contre, je les vois depuis les épaules jusqu'aux genoux, ils sont habillés d'un truc comme des plongeurs, c'est noir, mais
pas noir absolu, c'est plutôt gris, couleur ardoise, si tu veux. Alors ce qui me choque, et je pense à cause de ça, j'ai réussi à m'en rappeler, ce qui est choquant, c'est que je ne vois pas de plis. Toi, on a une chemise, ça fait des plis. Mais il n'y a aucun pli. Et en plus de ça, je sais qu'il y en a un, c'est un homme, et l'autre, c'est une femme, mais il n'y a aucun relief. Il n'y a pas de sein, il n'y a pas de volume du sexe, il n'y a rien. Et c'est simplement une forme grise, collée au corps, sans pli, et c'est horriblement désagréable comme sensation. Grâce à André Malby, nous rencontrons Andrés Faber-Kaiser, qui est le directeur de Mundo Desconocido, une revue espagnole de qualité, mais qui est aussi à la tête d'un groupe de recherche. Andrés Faber-Kaiser, c'est d'abord un aventurier du monde d'aujourd'hui. C'est l'homme qui a découvert la tombe de Jésus-Christ au Cachemire. C'est l'homme qui est allé à l'île de Ponape pour faire des recherches sur la vieille cité de Nan Madol, qui s'est approché sur l'histoire incroyable de ces êtres qui ont réussi à bouger des millions de tonnes de basalte sur des centaines de kilomètres. Il dit qu'il parle mal français, mais il le parle. Oui. Andreas, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Bon, je suis en train de relancer la revue Mundo Desconocido en l'ambit de langue espagnole. Et ça, c'est une des métiers pour le futur prochain. Et aussi, je veux continuer à chercher les lieux, les endroits qu'il y a à la Terre qui font témoignage de que nous sommes en contact avec des êtres qui sont pas de ce planète, mais qui sont intelligents et qu'ils interviennent, on dit comme ça, oui, à l'histoire de l'homme pendant toute notre histoire. Andrés Faber-Kaiser est un homme qui a accumulé une quantité de données absolument incroyable dans ce domaine. Le public français ne sait rien de lui et je pense qu'il est temps qu'on commence à le découvrir. Les visites d'extraterrestres dans l'histoire humaine sont extrêmement nombreuses et connues. Les mythologies, par exemple, recèlent quantité de visites venues d'ailleurs, d'événements étranges. Toutes avaient, ou souvent, elles avaient un caractère didactique pour aider les terriens à progresser. À notre époque moderne, nous avons une histoire extrêmement curieuse. C'est l'affaire Humo, qui est associée à une avalanche de lettres hautement techniques reçues par un certain nombre de personnalités humaines. Et nous allons explorer cet univers étrange d'Humo ou de Humo et des Humites à travers l'un de ses plus grands spécialistes, Antonio Ribera, en Espagne. En 1934, il y avait un bateau norvégien qui faisait des tests de rayonnement d'ondes dans la stratosphère pour des communications à longue distance. En train de ces ondes, s'est perdu dans l'espace et 14 ans après est arrivé à Humo. Alors les scientifiques humides ont vu que ça n'appartenait pas au bruit des fonds de la galaxie, que c'était un signal codifié, intelligent. Ils ont essayé de la décodifier, c'était une transmission en morse, ils n'ont pas réussi, mais ils ont localisé notre planète, d'où venait. Alors ils ont organisé sa première Inayuyisa, ça veut dire expédition, parce que les terres humides sont parsemées de mots humides, avec la traduction entre parenthèses à côté. Ça a permis à un chercheur sévillan, Antonio Moya Cerpa, de faire un essai de dictionnaire espagnol-français humide, qui est publié dans mon livre. C'est très curieux parce que il y a un séminaire à l'université de Séville et les savants assemblés ont dit que c'est une langue valable, c'est une langue qui peut fonctionner comme langue. Et c'est alors que les Humites ont organisé sa première expédition sur Terre. Ils sont arrivés au mois de mars près de la Javie et ils sont restés étonnés de trouver une autre humanité.
semblable à la sienne. Ils sont des hommes. Ils sont ramblons, type nordique. Les courriers zoumites émanent de villes et de pays différents. Leur contenu porte sur des considérations scientifiques de haut niveau et sont toujours signés d'un pictogramme particulier. Ces lettres sont parfois rédigées sur des machines à écrire bien terriennes, par des dactylographes également terriens. Antonio Rivera va nous conter l'étonnante aventure de l'un d'eux. C'était un jeune homme qui a mis une annonce dans un journal madrilène, ABC, où il disait qu'il faisait des copies à la machine. Alors il a reçu un jour la visite de deux messieurs, des ramblons, qui se sont présentés comme des médecins danois. Et ils ont dit qu'ils ont lu son annonce et qu'ils voulaient lui dicter des textes scientifiques. Et un jour, sa femme lui a dit qu'à elle ne dépassait pas la présence de ces gens. Elle soupçonnait quelque chose d'espionnage, par exemple. Il lui a dit que lui, il devait appeler la police. Les jours suivants, le médecin danois, entre guillemets, qui allait lui dicter un texte, lui a dit un texte sur science. Ça, c'est notre science. Nous venons de la planète Humo, qui se trouve à 14 années-lumière. Alors le dactylographe est resté sidéré et en voyant son étonnement, l'humite, parce qu'il était un humite, lui a dit ne t'étonne pas, nous savons tout ce qui s'est passé chez toi. Alors il a sorti une petite boule de sa veste et l'a mise en l'air. Elle est restée immobile dans l'air et une petite écran s'était éclairée dans la boule. Et le dactylographe a vu, étonné, tout ce qui s'était déroulé hier soir chez soi avec sa femme. Le médecin danois, toujours entre guillemets, lui a dit, tu vois, ça c'est une petite échantillon de notre technologie. Dans la première cassette Omnibus, l'invasion a commencé, nous avons présenté René Varino sur le plateau d'Albion. René Varino, tu es le président du CEOV, le Centre d'études Omnifrance. Tu es l'un des premiers à avoir étudié le phénomène Humo dans son contexte français. Antonio Rivera nous a parlé de tout le contexte espagnol, mais il y a une genèse du phénomène Humo en France. Oui, effectivement. Disons que l'histoire commence bien entendu en Espagne pour ce qui est connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de l'affaire Humo commence à la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 28 mars 1950, donc, un atterrissage a eu lieu dans les environs de la Javie. On dit environ 8 km de la Javie, c'est entre le sommet du Couar et le Cucuyon. Bien entendu, nos recherches se sont passées de ce côté-là. On sait que les humites ont laissé un contingent d'extraterrestres sur Terre. Et ce contingent-là a vécu environ à peu près 2 ans dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et divers phénomènes se sont passés pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un vol de compteur électrique dans une ferme nommée La Dépense, qui se situait à 4 km de la Javie. Alors tout ça, ça nous a fait faire des recherches vraiment, très poussées. Toi et ton équipe du CEOV, vous êtes allés maintenant sur place. Vous avez quand même constaté, dans l'époque récente, des choses un peu bizarres. D'abord, nous avons contacté la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bien entendu à Digne, à une époque, et je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre des personnes qui sont encore en service là-dedans, un capitaine de gendarmerie qui m'a dit « Mais, monsieur Varino, il y a eu, dans les années 75, avec monsieur Claude Poher, qui était le chef des sections fusées au CNES à ce moment-là, une reconnaissance dans le Cheval Blanc, dans les montagnes du Cheval Blanc, pour rechercher la grotte que les extraterrestres, que les humites auraient laissée avec du matériel humide. Et ce capitaine de gendarmerie m'a précisé
qu'effectivement, Claude Poher avait trouvé la grotte, plus le matériel qui s'y trouvait à l'intérieur encore à l'époque. Alors, je veux préciser, René, pour nos amis qui ne sont pas au courant, que Claude Poher a suscité en quelque sorte la création du GEPAN. Oui. C'est une cheville ouvrière qui a permis d'élaborer ce GEPAN, puis il l'a quitté. Alors il ne faut pas oublier que Claude Poher est le neveu de Alain Poher du Sénat, et qu'Alain Poher du Sénat a quelque chose à voir avec le prieuré de Sion. Nous abordons d'ailleurs à travers certains personnages de Rennes-le-Château, nous abordons le domaine mystérieux du prieuré de Sion, et tu as raison de dire qu'il faudra y revenir plus tard, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, nous serons obligés d'y revenir. Ça ne s'arrête pas là, parce que lorsque nous avons fait ces recherches, nous avons trouvé qu'à travers les montagnes du Couard jusqu'à la Javie, du Cucuyon jusqu'à la Javie, sans que ce soit une connaissance de tout le public, se construisaient des routes à travers la montagne, des routes spéciales. Alors quand je dis spéciales, ce n'est pas des routes du feu. Hein. Je fais une parenthèse, ce n'est pas une route pour un GMC qui va simplement éteindre un feu, n'importe quoi, ce n'est pas ça. Ce sont des routes bétonnées, ferraillées à l'intérieur, des routes faites pour recevoir soit des convois militaires, soit quelque chose de très important. Ça s'arrêterait là, mais nos amis qui habitent dans le coin, qui font partie du CEOF, se sont vus un soir en faisant une course en vélo, là, en faisant une petite promenade en vélo, au pied de la montagne de la Blache, qu'on appelle, arrivé à un certain tournant, se sont trouvés nez à nez avec un char d'assaut militaire. Alors là, c'était un petit peu... on leur a interdit de passer. Quoique, ils prenaient cette route assez souvent pour faire leur randonnée, ils ont demandé pourquoi. On leur a dit, vous n'avez rien à savoir, vous retournez, là, vous ne passez pas. Alors, autre... Le char militaire, il y avait toute une armée, il y avait des jeeps, il y avait toute une armée complètement, et on leur a interdit le passage, on leur a demandé de revenir. Mes amis qui sont au CEOF se sont renseignés auprès de la gendarmerie et de la mairie de Digne pour savoir ce qui se passait. La mairie de Digne et la gendarmerie n'étaient pas au courant, alors là je vous dis bien, n'étaient pas au courant de ces manœuvres militaires. Ça semble quelque chose un petit peu aberrant, hein, quand même. Une manœuvre militaire, on doit être au courant de ce qui se passe. Conclusion, ce n'était pas du tout des manœuvres militaires. Absolument pas. Absolument. Ça se trouvait exactement comme si on... Pour ceux qui auront pris connaissance du livre de Jean-Pierre Petit, où il relate l'affaire de la Blache, puisque c'est de là que partirait l'atterrissage UMIT en 1950, il est vrai que ce secteur est très surveillé à l'heure d'aujourd'hui. L'affaire de Zumit a eu un très grand retentissement dans le monde des chercheurs. C'est ainsi, par exemple, qu'un scientifique français a avoué, dans un récent ouvrage, qu'il s'était appuyé sur les informations communiquées par les Zumites pour faire progresser ses propres recherches. Ce chercheur, Jean-Pierre Petit, n'a pas cru devoir accepter notre invitation à dialoguer de ses recherches sur cette vidéocassette. Il est vrai que la science officielle n'est pas tendre avec les chercheurs qui sortent des sentiers battus. Et par exemple, une revue qui se veut sérieuse, Science et Vie, dans sa livraison de novembre 91, consacre 2-3 pages à un article, évidemment bidon, c'est un canular, sur l'affaire des Zumites. Alors c'est facile, évidemment, d'ironiser, de signer cet article d'un nom américain, Lucifer, qu'on peut prononcer Lucifer. Alors ça c'est facile. C'est plus compliqué de se pencher sur ces informations ou mythes. Et quelqu'un s'y est penché, un industriel important en Espagne. Il s'appelle Rafael Ferriols. Et pour Rafael, comment tout a commencé? A faire un mot. Quiero saber cómo ha empezado todo, a partir de cuándo. A través de la prensa, simplemente. On a su, Rivera et moi, à travers la presse, qu'il y avait une vue d'un ovni qui avait atterri. L'ovni a atterri en 1967. Cet ovni dont nous avons fait l'étude, il y a une publication de faite dessus. Peu de temps, quand ce livre était déjà sous presse, mais pas encore publié,
Personnellement, j'ai reçu une lettre d'Australie me disant curieusement que ce livre était intéressant. Lui disant que nous sommes un groupe, une race d'hommes nés sur une autre planète. Nous sommes peut-être les derniers et les plus modernes de ceux qui vous ont visité. Parce que nous ne connaissons votre planète que depuis 1950. Et nous savons que vous êtes visité par d'autres extraterrestres que nous. Depuis bien avant. J'ai raconté l'histoire de la première lettre en 1992. J'ai en ma possession 1000 et quelques exemplaires feuilles de leur courrier. Les correspondances d'Oumit ne consistent pas seulement en des textes. Ce sont aussi des schémas dans lesquels ils décrivent leur planète, leur vaisseau, ou d'autres principes de leur science, toujours en avance sur la nôtre. Examinez ces dessins. Ils relèvent d'un savoir venu d'ailleurs. Ce qu'ils ont dit, je peux vous le répéter presque textuellement. Ils ne sont pas venus sauver la planète et modifier quoi que ce soit. Ce serait une destruction plutôt. Ils sont en train de nous accorder une aide subrepticement et d'une façon qui serait compliquée d'expliquer maintenant. Ils disent qu'ils vont repartir et que tout restera tel que. Au-dessus de votre maison, il y a l'emblème de Homo. C'est fascinant de voir ça. Est-ce qu'il y a une signification particulière ou bien c'est simplement une manifestation de sympathie vis-à-vis des Oumites? C'est simplement un fait de sympathie, leur témoigner de la sympathie. Tout cela peut paraître anodin, en fait c'est important. C'est important car en fait cette masse d'informations qu'ils nous ont données, ces Oumites, si c'est un canular, c'est un canular extraterrestre. Et alors, quelle est la raison de ce canular? Cependant, éliminons cette notion de canular, je crois qu'il faut conserver le positif. Ces informations vont nous aider, ont aidé un certain nombre de chercheurs et de scientifiques à progresser dans leurs recherches. Mais il y a quelque chose d'un peu plus gênant peut-être. Il semble bien qu'il y ait ingérence dans notre société humaine, dans notre civilisation. Mais est-ce qu'elle est positive, cette ingérence? J'en suis pas tellement sûr pour l'instant. Alors je crois que wait and see, attendrez voir pour pouvoir se prononcer efficacement. Au nom de notre équipe de tournage, maintenant, je voudrais remercier notre ami Roberto, qui a si magnifiquement traduit nos diverses interviews. Il faut savoir que les extraterrestres ne se contentent pas de simples visites ou de correspondances comme l'affaire Oumit, visite amicale comme dans l'affaire de notre ami André Malby. Il y a des enlèvements, tous ne sont pas dramatiques. Nous sommes allés à Gérone, en Espagne, voir Prospera Muñoz, qui elle se souvient de ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était très jeune. Grâce à notre ami Antonio Rivera, nous avons rencontré Prospera Muñoz, qui est une dame, qui est un chef de service dans les télécommunications, et qui a vécu une fantastique aventure lorsqu'elle était enfant. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça a commencé. Vous aviez 7-8 ans, je crois. En effet, elle avait 7 ou 8 ans et elles étaient elle et sa sœur dans une propriété qu'elles avaient du côté de Murcie qui s'appelle Jumilla.
Au milieu du matin, on a vu un appareil bizarre qui est arrivé. De là sont sortis deux personnages quelque peu bizarres. Ces deux personnages sont entrés dans la maison sous prétexte de demander un verre d'eau. Un d'eux s'est approché le verre des lèvres, mais il n'a pas bu. C'est là qu'elle s'est aperçue que leur main n'avait que quatre doigts. Physiquement, elle était de leur statut. Mais il faut tenir compte qu'elles avaient 8 ans et 13 ans. La tête, surtout le crâne, était beaucoup plus grand que d'habitude. Les yeux en amande, et avec un regard très inquiétant, un regard très fixe. Qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Et c'est là qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire avec elle une expérience. Et ils ont demandé la permission. Et c'est là que tout commence à basculer, parce qu'elle s'est trouvée en train de penser autrement. Comme un adulte. Comme un adulte, lorsqu'elle était une enfant. Et comment ils t'ont amené à bord du vaisseau ? Ah, c'est arrivé deux nuits après. Elle s'est réveillée, tout à coup elle s'est retrouvée dans la rue en train de les attendre. Elle est sortie avec eux, sa sœur et son oncle ne se sont pas réveillés. Et c'est là qu'on est parti vers un champ, et là il y avait un autre appareil, mais plus grand que le premier. Dedans ils ont fait plusieurs couloirs. Hasta que entramos a una habitación donde había una especie de camilla. Jusqu'ils sont entrés dans une pièce où il y avait une espèce de ce qu'on appelle vulgairement le billard des examinateurs. Des examinateurs, une table d'examen. Allí pues me quitaron la ropa y me empezaron a coger muestras de todo. Là on lui a enlevé tous ses vêtements et on lui a pris des échantillons de tout. Yo no sentía cheveux, ni des ongles, de peau. De... Pero yo no sentía en ningún momento ni dolor ni miedo. Examen gynécologique aussi. Examen gynécologique, non. Sí. También. Lo recuerdo aussi. Perfectamente, sí. Sí. Aussi. Mais aucune douleur. Aucune douleur. Ni peur. La peur avait été éliminée. Combien de temps Prospera est resté à bord du vaisseau. Sabes cuánto tiempo estuviste a bordo? Qu'elle pense que dans les 2-3 heures. Parce que quand elle est arrivée, il faisait nuit. Et quand elle en est ressortie, il faisait nuit toujours. C'était une petite fille. Pas encore une adolescente. Et le fait de se trouver dans un milieu aussi étranger, ça ne l'a pas paniqué. Le premier jour, quand ils sont arrivés, qui sont atterris ou se sont arrêtés près de leur fenêtre et qu'il a regardé par la fenêtre, donc elle l'a vu encadré par la fenêtre, c'est le seul moment où elle a eu peur. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu comme un bruit métallique qui allait en crescendo, chaque fois plus fort, et à partir de là, la peur a disparu, ça y est, aussi bien elle que sa sœur. Alors cette rencontre étonnante, cet enlèvement, ça a dû soulever quantité de questions. Tu l'as oublié, et quand les souvenirs sont revenus, tu as dû avoir encore plus de questions. Naturellement. Normalement, la personne, nous avons un castillo mental bien construit. Normalement, on a un château mental bien construit. Mais quand il arrive une pièce comme ça qui ne case nulle part, on est obligé de casser tout le château pour remettre et voir si on peut la caser là-dedans. Si cette personne n'est pas protégée par son entourage, par sa famille, par la compréhension des siens et de son entourage, elle est en danger parce qu'il est difficile d'assumer. Je conçois que, avec cette foule de questions, Prosepa ait lancé cette revue Busqueda, qui veut dire, tu me l'as appris, Busqueda, qui veut dire recherche. Il y a eu de très nombreux enlèvements et parfois ça a mal tourné. Il y a eu les gris. Que nous veulent-ils?
Est-ce qu'ils ont de la considération pour nous? Et de toute manière, est-ce qu'ils manifestent quelque chose, un désir, une insouciance? Comme nous avons posé la question dans la première cassette, où il était beaucoup question des gris, nous allons trouver Geneviève Vankeleff, qui est une femme ufologue, en France, la seule, je crois, qui, elle, va nous donner des nouvelles des gris à travers des informations qui lui sont parvenues des États-Unis. Tu as publié trois ouvrages, les derniers, les deux derniers étant celui-ci, OVNI, Intervention, Capture, et puis OVNI, Expérimentation très spéciale. Alors, tu es passionné par l'ufologie américaine dans laquelle tu puises quantité d'informations et souvent tu les as avant nos autres collègues français d'ufologie. Alors, tu as découvert Secret Life, un bouquin tout à fait étonnant paru cette année aux États-Unis. J'aimerais que tu nous dises quelques mots de cet ouvrage qui a pour auteur un psychiatre, je crois. Un psychiatre, oui, David Jacobs. Oui. Voilà. Qui a enquêté lui-même sur une soixantaine de cas, surtout des femmes, hein, surtout des femmes américaines, qui ont subi ce qu'on appelle un enlèvement. Alors évidemment, ce livre est très intéressant parce qu'il me semble que pour la première fois, il a découvert et il a rassemblé toutes les caractéristiques vraiment essentielles de ces enlèvements. D'ailleurs, il dit que partout, il les a retrouvées. En général, dans son livre d'ailleurs, au début, ses premiers chapitres, ce sont les choses qu'on retrouve dans tous les cas. Ensuite, d'autres choses qu'on retrouve moins facilement, mais enfin qu'on retrouve quand même dans certains cas. Et moi, ce qui m'a frappé, bon, bien sûr, je connaissais les enlèvements, je connaissais les livres de Bud Hoskin, je connaissais pas mal de livres, et on sait déjà que s'y retrouvent bon, les implants, les observations, les prises de, comme tu sais, les prises d'ovules, les prises de sperme, enfin un tas, et même les présentations d'hybrides, de soi-disant hybrides, donc c'est pas trop. Là, excuse-moi, hein? Il faut quand même expliquer à nos amis qui vont nous regarder qu'avant la présentation, il y a la fécondation artificielle, l'insémination voilà, artificielle. Quand la jeune femme fécondée par les short rays, en général, les petits gris, ce souvenir traumatique est effacé, ces jeunes femmes sont remises en circulation, et dans les 3 mois qui suivent, on les enlève de nouveau, on prélève le fœtus, on efface le souvenir, on les remet en circulation, et des mois ou des années plus tard, elles sont de nouveau enlevées, et à ce moment-là, les petits gris leur présentent leur enfant hybride. Voilà. Même quelquefois, bien avant plusieurs années, c'est quelquefois presque tout de suite. Et il semble d'ailleurs, lui il en parle assez bien, déjà on en avait parlé, mais lui en parle assez bien qu'ils aient des problèmes avec ces fameux hybrides. Et alors, il semble qu'ils aient besoin du contact de la mère. Et il s'est avéré que les petits gris mettent quelquefois d'office ces bébés, des tout petits bébés, quelquefois tout petits, dans les bras de ces femmes qui, quelquefois, le refusent. Mais enfin, les obligent à toucher les enfants. Et il s'est aperçu que ce n'était pas seulement, par exemple, les materner, mais c'était les toucher. Il suffisait d'un toucher. Et ces femmes ont remarqué que lorsque les bébés avaient été touchés, il y avait un regain de vitalité chez eux. Sûrement. Oui. Alors, on voit que c'est analysé très finement et ça va assez loin. Alors, il a aussi remarqué beaucoup de choses, en particulier ce qu'on retrouve chaque fois dans tous les cas, c'est qu'à un certain moment, vient un être qui semble être le chef, qui est un peu plus grand que les autres, qui a le même type, mais qui est plus grand. Et tu sais qu'en général, c'est le seul qui a des contacts télépathiques avec les enlevés. Et cet être, lui, travaille dans un autre sens, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il regarde le kidnappé dans les yeux, très profondément dans les yeux, et l'autre a l'impression qu'on lui vole ses pensées, qu'on lui extirpe ses pensées. Alors, et lui, bien entendu, il lui suggère, il lui impose des pensées que l'enlevé, quelquefois accepte, mais quelquefois refuse. Et quelquefois, il arrive très bien à faire la différence. Ils ne sont pas toujours très... Après tout, ils n'arrivent pas toujours à ce qu'ils veulent.
Et ça, c'est très bien expliqué dans ce livre, et ça n'est pas, il n'y a pas qu'un cas, malheureusement, il y en a beaucoup. Si bien que ce psychiatre est persuadé que ce ne sont pas des histoires, puisque ça arrive si fréquemment, c'est quelque chose qui se retrouve partout. Et ce sont des enlevés qui n'ont pas de contact entre eux, qui ne se connaissent pas, qui n'ont quelquefois qu'un seul contact qu'avec lui. Alors moi, il me semble que ces choses-là, ça doit être assez juste. Hein. Sachant tout de même qu'il n'y a pas que des êtres inamicaux, il y a une multitude d'espèces qui sont confrontées à notre existence et qui ont probablement entre elles des intérêts qui ne sont pas toujours communs. Il faut savoir aussi que dans la littérature ou mythe, dans les lettres, il est question des gris. Nous savons maintenant, nous les humains, qu'il y a des êtres de petite taille, les gris, qui ne sont pas amicaux. Est-ce que les Oumites en ont parlé? Si. Oui. Si. Incluso con un matiz. Dicen, no son verdosos, como ustedes dicen. Son grises. Avec une nuance même, en disant qu'ils ne sont pas verts, comme vous avez l'habitude de dire, mais gris. Oui. Un ton grisâtre. Hein. Ce qui passe, c'est que quand ils parlent d'autres gens qui viennent d'autres planètes, ils en parlent très peu. Ils en parlent, mais succinctement. En définitive, ça confirme qu'on est visité par d'autres que les Humites. Est-ce que vous vous rappelez de la date à partir de laquelle les Oumites ont déclaré que les gris venaient nous visiter? Au-delà de 15 ans. Ça fait déjà plus de 15 ans. C'est intéressant parce que les gris, ouais. On les connaît, on sait qu'ils sont nos ennemis. Seulement depuis 1987, quand John Lear en a parlé. Antonio Rivera pense aussi que ce sont des gens apparemment ennemis. Je ne pense pas qu'ils soient ennemis, mais qu'ils ont une autre façon d'être, différente que la nôtre. Raphaël Ferrer et moi avons raison tous les deux, mais pas de la même manière. Ils ne sont pas nos ennemis, de même que nous ne sommes pas les ennemis du mouton ou du bœuf que nous mangeons. Ils nous sous-considèrent, ils nous considèrent inférieurs. En ce qui concerne le type de Sumite, un jour je suis allé dîner avec un chef de l'Interpol, un monsieur allemand, qui m'a dit qu'il avait des dossiers comme ça, sur des types d'aspect nordique, qui voyageaient avec des passeports norvégiens, danois, suédois, etc., et qui portaient un petit appareil dans la gorge pour s'aider à parler. Parce que les Sumites laissent de parler à l'âge de 12 ans. La communication devient télépathique alors. Et le type qui s'envoie sur Terre, dans les diverses expéditions, parce que ces expéditions se relèvent, ce ne sont pas les mêmes. Ceux de 1950 sont déjà partis il y a beaucoup de temps. Pose un petit appareil dans la gorge pour s'aider à parler. Et c'est curieux qu'un chef de l'Interpol m'expliquait ça. Et je lui dis, est-ce que ce sont des criminaux? Pourquoi vous intéressez-vous pareil? Ah, il m'a dit, c'est pour complaire à la CIA américaine qui nous l'a demandé. Nous savons, que nous avons appris l'existence du MJ-12, le gouvernement secret, que toutes les nations ont des rapports entre elles, qui échangent des informations, et qui toutes sont complices pour nous tromper, pour nous mentir. Donc c'est parfaitement vraisemblable. Bien sûr que la CIA est intéressée. Elle n'est pas seule, d'ailleurs, dans ce cas-là. Il y a la commission trilatérale, qui est une sorte de groupement économico-politique. Il y a le CFR, ou Council on Foreign Relations, Conseil des relations étrangères à New York, ou alors le groupe de Bilderberg, de sinistre mémoire, dont nous aurons l'occasion de reparler dans la prochaine cassette concernant les gouvernants secrets. Mais peut-être que
ces groupes, ce gouvernement invisible, car c'est de ça dont il s'agit, composé de terriens téléguidés par les gris, ne voient pas d'un très bon œil l'ingérence d'autres espèces pensantes qui, elles, probablement, n'ont pas les mêmes visées sur nous. Alors, tout ça nous pose une situation un peu compliquée. Parmi ces visiteurs se cachent de véritables maîtres, maîtres entre guillemets, des maîtres extraterrestres dont nous sommes les sujets. Et ça, c'est bigrement inquiétant. Nous allons, dans la seconde cassette consacrée au gouvernement secret, vous faire un certain nombre de révélations que vous ne pouvez pas soupçonner, qui vous diront à quel point notre situation est à tout le moins inquiétante. Alors pourquoi tout cela? Eh bien, je crois que c'est pour vous, c'est pour nous, et c'est parce que cela intéresse toute notre civilisation.